Je pense que mon half coffee est arrivé. You know, I've been craving this, so. Hello, hi! Arrêtez la musique, ça va pas être copyright. On fait quelque chose d'un petit peu différent, je vais pas faire un vlog. Ah non! Aujourd'hui, on va faire un Style With Me, qui est une vidéo en fait que j'ai vu passer sur YouTube et que je trouve vraiment le fun et que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Mais cette vidéo-là, c'est vraiment juste pour donner un petit peu d'inspiration, d'idées d'outfit pour l'été. Donc, sans tarder, let's get into it. Oh, by the way, cette vidéo est vraiment pas sponsorisée par Garage, même si j'avoue que j'ai vraiment beaucoup de vêtements en garage cet été. But, c'est pas commandité. So, let's go. Let's get into it. Oh my god, can you not? First outfit, ça va être outfit casual summer day. On va commencer très chill. Donc, let's go. Ok, fait que là j'ai ça pour l'instant. Ça, ça vient de chez Aritzia et ça de chez Garage. I need to find some shoes. Honnêtement, j'hésite entre mes Air Force One de Nike ou ces Reebok. Je sais pas pourquoi le nom. But, je pense que je vais aller avec ceux-là en fait. Parce que ça me tente. So, that is the outfit. Alors, comme je vous ai dit, les jeans viennent de chez Garage et honnêtement, je les adore. Ce fit de jeans, je vais essayer de linker mes vêtements dans la description. Not sure si je vais être capable de toutes les trouver, but if I do, je vais les mettre dans la description. Mais chez Garage, je porte une size 7, ce qui est comme plus petit parce qu'habituellement je porte du 9 à peu près. Fait que mon chandail, il vient de chez Aritzia, donc c'est une petite camisole vraiment super basic. Ok, aussi pour les filles, est-ce que vous avez un tips pour pas que les brassières paraissent parce que it's my struggle here. Mais ouais. Puis sinon, je porte, comme je vous ai dit, ces Reebok que si je trouve le nom, si je les trouve sur internet, je vais les linker dans la description. But I really love them. Je les ai retrouvés en fait, ils étaient comme enfermés dans mon garde-robe à quelque part. Puis je les ai retrouvés et là je suis vraiment obsessed with them. Mais là c'est vraiment simple, mais je vais ajouter des accessoires pour que ça soit plus, you know, fun. Honnêtement, je pourrais même pas vous dire d'où viennent ces boucles d'oreilles, mais c'est vraiment des boucles d'oreilles super simples. On en trouve genre legit partout, là, H&M. Puis j'ai ces petits bracelets. Je suis vraiment pas tant bracelet usually, mais ceux-là, je les aime bien. Je pense que je les ai achetés au Arden. Not so sure. But yeah. Ah, puis mon collier, ben là, je me le fais tout le temps demander. Ça vient de la bougeterie. Voyons. Roger Roy. Ça vient de la bougeterie Roger Roy, mais malheureusement je sais pas s'ils en ont plusieurs exemplaires parce que c'est vraiment le médaillon qui vendait, je pense. Peut-être la chaîne, mais c'était vendu séparément, fait bref. C'est un petit peu compliqué. That is the final look. Alors j'ai aussi rajouté cette sacoche-là que j'adore, que je viens de trouver en friperie au Renaissance, cette sacoche noire comme ça. J'ai juste rajouté comme mes petits casual earrings et bracelets pour que ça soit plus, you know, le fun avec des accessoires, but... That is the look! Là, je me suis dit, je vais faire un outfit a lot more fun, quelque chose de plus party. S'il y en avait, c'est ça que je porterais. So, voici mon petit look pour un événement or something fun qui n'existe plus pour l'instant. Donc, le top, en fait, le petit bandeau de ping, c'est genre un foulard que j'ai pris en friperie du Village des Valeurs. Fait que je conseille vraiment de faire ça, c'est super le fun. Bon, là, je sais pas si c'est vraiment beau. De derrière, parce que techniquement quelqu'un devrait me l'attacher, like my mom, but she's not here. Fait que j'ai essayé de me l'attacher moi-même. Fait que ouais, donc je vous conseille vraiment d'incorporer ça dans votre garde-robe, je trouve ça vraiment le fun. Puis sinon, mes jeans viennent de chez Garage, j'aime vraiment aussi ceux-là. Et mes petits sandales, bon, je sais pas si ça serait mon premier choix. Mais honnêtement, j'ai pas tant de souliers fancy que j'aime pis qui sont confortables. Fait que j'ai juste ceux-là que j'ai pris en fait en friperie, là c'est juste des petites slides noires. Mais honnêtement, me connaissant, je pense que je porterais genre mes Nike Air Force One, pis ça me dérangerait pas parce que I just love them too much. Et honnêtement, j'étais en train d'hésiter en deux sacoches pour ce look-là. J'aime bien celle-là, ça c'est Garage. Je trouve que ça donne un vibe vraiment plus 90s, a little bit. Un petit peu plus vintage, mais si vous voulez quelque chose de comme un petit peu plus moderne, quelque chose plus comme ça, ça c'est une sacoche que j'ai pris au Simons. Ça fait quelques mois, mais maybe il y en a encore.
Mais je trouve, tu sais, techniquement, genre, avec les couleurs, c'est sûr que c'est le fit le plus, mais ça dépend toujours de votre goût personnel, of course. Mais j'avoue que j'aime bien ce look. By the way, suivez-moi sur TikTok, je vais faire un petit TikTok de ces outfits-là. So, yeah, je vais mettre dans la description. Je suis vraiment pas active, là, mais maybe, je vais en faire un. So, je vais incorporer la couleur dans mon outfit. Are we shook? Kind of. To be honest, je suis vraiment obsessed avec ce look. Vous savez mon obsession pour le rose, so... Ok, voilà. Oh. Je suis vraiment désolée, il est un petit peu frippé ici. Alors, voici le petit outfit. Honnêtement, il n'y a pas vraiment une thématique à cet outfit. J'ai juste le goût de wear this. Donc, mes jeans ils viennent de chez Frank & Oak. C'est vraiment dans mes jeans préf. Sinon, le top vient de chez Garage et c'est kind of new for me. Il y a comme un open back. Comment je vais faire ça? But, je sais pas s'il est vraiment bien placé. I hope so. Surtout dans cette couleur-là, vous savez que si je porte une couleur, c'est probablement du rose. Donc, yeah. Puis, j'ai juste mis mes Air Force Ones. C'est des Nike Air Force One que je porte l'été tout le temps avec. Ouais, comme ça, je pense que c'est la meilleure option, honnêtement. It's so cute! Oh my god, j'adore cet outfit. Je pense que c'est un de mes coups de cœur, honnêtement. Là. Comme c'est clair que je vais le mettre si j'ai comme une réunion de moins de 10 personnes. Ok. Alors, pour le prochain outfit, je pense que ce serait temps de faire un petit festival look parce que ça, c'est vraiment un outfit. L'été serait book and sold, am I right? J'ai bien acheté ces shorts de chez Garage aussi et puis je trouve qu'ils font vraiment festival avec la petite. Pas du fringe, mais genre, je sais pas. Avouez qu'il y a un look festival un petit peu, en tout cas. And for the tops. Ooh, I don't know. Ok, là je suis vraiment incertaine. Je sais pas si je préfère ce chandail ou this one qui est genre un petit wrap top comme ça. Fait qu'au pire, je vais essayer les deux puis ça va donner de l'inspiration, mais everything de chez Garage, rien de nouveau. Fait que ça, c'est le look avec le t-shirt noir de chez Garage. I like it. I mean, c'est quand même un outfit super simple, honnêtement, to be honest. Vu que l'été est cancelled, est-ce que j'ai vraiment pensé à me trouver un outfit pour un festival? No! Fait que peut-être le top noir, ça serait pas vraiment mon outfit de choix parce que le noir, ça attire le soleil. Mais c'est ça, ce top-là, c'est comme... Il y a comme un petit détail dessus puis un petit... Filet. J'ai eu le fait que genre dans tous les autres outfits, j'ai comme pas vraiment montré de proche. I'm so sorry! Je vais faire un cool transition pour vous montrer l'autre t-shirt, ok? Hi! mais j'avoue que j'aime peut-être mieux le look avec ce chandail-là, je le trouve vraiment plus le fun, comme comment tu peux le wrap and everything. Mais bon, évidemment c'est un petit peu plus décolleté que l'autre je pense. Puis je viens de dire que j'ai pas montré de lunettes de soleil dans cette vidéo, parce que je pense que la seule paire de lunettes de soleil que je porte, que je vais montrer à l'écran ou peu importe, je l'ai laissée dans l'auto de ma mère, fait que... Yeah. Mais mes lunettes, je les avais achetées au Urban Outfitters, mais je sais pas s'ils sont encore disponibles. Fait qu'au pire, je vais mettre une option similaire qui serait en fait celui de Nana de Brand de Marina Bastarache. Very like the same, honnêtement. Comme je vous les conseille. Hello! Alors pour mon prochain outfit, ça me tendait vraiment d'incorporer un petit veston in the look parce que j'aime vraiment beaucoup les vestons, puis je sais que c'est comme un petit peu plus automne-hiver. But. I really like this one. Fait que je vais essayer de faire un outfit avec. Ok, donc voilà le outfit. Mais honnêtement, je trouve que ça ajoute vraiment un sporty vibe au veston, genre, ce que j'ai mis en dessous. Donc le veston, il vient de Friperie. Mais ma petite, comme, c'est comme une camisole, comme brassière de sport de chez Gap. Je l'ai trouvée dans la section des sous-vêtements. Donc, yeah. Mais je trouve ça vraiment pratique. C'est super confortable aussi. Puis les shorts viennent de chez Garage. La sacoche aussi de chez Garage. Je l'aime vraiment beaucoup. Et sinon, j'ai juste mis mes Nike Air Force One que j'ai legit always with me, qui sont un petit peu sales. But... Honnêtement, j'avais comme jamais porté cet outfit comme ça. But... Parce qu'il y a des soirées d'été où c'est comme un petit peu plus frais. Donc, c'est toujours nice d'avoir un petit veston. Honnêtement, c'est. It's kind of nice. Donc j'ai ce bodysuit de chez Zara. Je sais pas how I feel about this color though. comme vous pouvez voir, je l'ai même pas encore porté encore. Mais je me suis dit que peut-être we could try something dans cette vidéo pour voir comment je peux style it. C'est pas vraiment dans mes couleurs habituelles, but
on va voir si je peux faire quelque chose. Toujours en train de sip the iced coffee. That's just me. Ok, but honnêtement, quand même impressed avec ce que j'ai réussi à faire. Ok, peut-être c'est pas le style de tout le monde, but techniquement, j'aurais peut-être porté des jeans noirs. Des jeans blancs, mais je suis toujours à la recherche du parfait jeans blanc. Si vous voulez me dire où est-ce que vous avez trouvé votre parfait jeans blanc dans les commentaires, that would be nice. But, c'est le seul comme pantalon blanc que j'avais, mais honnêtement, j'aime quand même le look sporty. C'est genre des sweatpants blancs de chez, oh my god, je vais mettre le nom de la place que j'ai trouvé, mais c'était un brand que j'ai trouvé sur Instagram. Mais je vous recommande pas tant parce qu'en fait, ça l'a pris, ça m'a coûté vraiment cher de douane. So, un jeans blanc ferait mieux, ou un jogging blanc en fait. Ouais, puis le top, comme je vous dis, ça vient de chez Zara. J'ai mis évidemment mes little Air Force Ones, puis ok, ils sont vraiment sales, sorry. Mais non, j'aime vraiment ça avec ces pantalons-là, c'est... I love this look! Mais peut-être que j'aurais pas pris cette couleur-là comme bodysuit. J'ai juste rajouté ma petite sacoche de chez Garage comme ça, parce qu'elle a un petit peu, je trouve aussi un sporty vibe. Ça fait quand même bien avec l'outfit. I think, yes! Yo, c'est comme, c'est un peu out of my comfort zone, mais not gonna lie. Love it! Ok, puis là pour ce look-là en fait, je voulais incorporer le chandail que j'ai porté en fait dans mon intro parce que je l'aime vraiment beaucoup. Puis je voulais faire comme un petit outfit genre comfy stay at home look. Donc ça c'est vraiment mon go-to look, comfy, pants. Le truc est vraiment pas attaché, oups. On va juste comme... Je pense que c'est un petit peu une excuse, cet outfit-là, pour vous montrer mon chandail parce que je l'aime vraiment trop. De chez Garage, encore une fois, mais honnêtement, tellement confortable, so cute. Même si je dis stay at home, honnêtement, je pense que c'est comme, on peut vraiment porter ça n'importe quand. Puis mes sweatpants viennent de chez Pretty Little Thing. Évidemment, des sweatpants comme ça, c'est quelque chose à avoir dans sa garde-robe. Et j'ai mis mes petits Nike shoes de sport-ish, mais que je porte vraiment beaucoup juste quand je reste à la maison en fait, parce qu'ils sont juste super confortables et super faciles à mettre aussi. Donc voilà. Fait dans le fond, je sais pas vraiment si c'est un summer look, mais c'est quelque chose que j'aime porter en ce moment. Fait que je voulais vous le partager quand même dans la vidéo. Peace! So, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là et que ça vous a donné un petit peu de outfit inspo pour cet été. En tout cas, je suis prête à filmer ça puis j'espère en refaire d'autres prochainement. Who knows? Puis n'oublie pas de me suivre sur Instagram aussi. Mon handle va être en bas. Puis bon, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Aussi, don't forget to subscribe si c'est nouveau. Ciao! Never